rock solid. Rock solid. Salut à tous, ici Yakipon pour une nouvelle rotation de champions gratuits du jeu League of Legends. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec Aatrox, épée des Darkin. Aatrox est un gros tank qui se joue top et il se régène la vie comme un enfoiré. Donc vous lui mettez un peu de vol de vie, vous lui mettez un peu de dégâts, des PV et c'est fini. Vous avez un très très bon Aatrox qui fera le café. Anivia, Cryo Phoenix. Anivia se joue en tant que mage mid et c'est un des plus affreux du moment en fait. Parce que Anivia, ça fait au taquet de dégâts et alors le late game, je vous en parle pas. Ce qui est bien en plus avec Anivia, c'est qu'elle a une passive assez cool. Hein. C'est si vous mourrez, ben, si vous avez l'œuf, hein, parce que ce n'est pas tout le temps que vous l'avez, et ben, vous pourrez revivre et ainsi refaire des dégâts. Mais ça dépend, parce que si vous êtes en œuf, ben, tout le monde peut vous casser la gueule. Evelynn, faiseuse de veuve. Evelynn se joue en tant que jungler et en ce moment, je sais pas, elle ressort. Elle ressort de son pétrin parce qu'elle était vraiment dans la merde en fait, Evelynn. Je sais pas, Riot se dit, tiens, ça y est, on va essayer de faire un vrai équilibrage. Bon, en faisant ça, il tue d'autres persos, mais ça commence à se faire, petit à petit. Graves, hors la loi. Graves se joue en tant qu'AD carry bot et c'est un des meilleurs AD carry du jeu. Pourquoi ? Parce que ben, il a une petite allonge, certes, mais il a de l'escape. Il peut esquiver tous les skillshots grâce à son dash. Et surtout, Graves, avec son A, c'est plus il tire de près, plus les gens prennent au taquet de dégâts. Et en plus, ça a été refait. Donc, il fait encore plus de dégâts. Donc, voilà, c'est cool. Nunu, dompteur de Yeti. Nunu se joue en tant que jungler et des fois en tant que support. Mais je préfère jungler. Ce qui est vraiment énorme avec Nunu, c'est que vous pouvez faire des pièges. Genre, vous voyez les gens arriver, vous lancez votre ulti, et dès qu'ils arrivent dedans, boum, headshot. Ils sont complètement décimés. C'est ça qui est cool avec Nunu. En plus, il peut augmenter la vitesse d'attaque de ses alliés, lancer des glaçons pour ralentir les gens. Il est plutôt pas mal, Nunu, en fait. Panthéon, artisan de la guerre. Panthéon se joue en tant que top ou en tant que jungler. Ce qui est bien avec Panthéon, c'est que son passif est complètement cassé. C'est-à-dire, si les gens ont moins de 15% de leur vie, tous les coups, je crois que c'est tous les coups, oui, tout ce que fait Panthéon, c'est-à-dire sort ou auto-attaque, sont des coups critiques, ce qui est plutôt balèze pour les finir. Sona, virtuose de la harpe. Sona se joue en tant que support bot, et j'aime beaucoup Sona parce que ben, elle est très polyvalente. C'est-à-dire qu'elle peut faire autant de dégâts qu'elle peut soigner, ou qu'elle peut faire du contrôle, enfin je sais pas, elle est vraiment sympa Sona, moi j'aime beaucoup. Soraka, enfant des étoiles. Soraka est un support, elle aussi, mais un peu plus compliqué que Sona. C'est-à-dire que Soraka rend au taquet de vie, certes, mais au prix de sa propre vie. Le seul moyen de se remettre de la vie avec Soraka, c'est de toucher avec son A. Donc, à vous de jouer. Urgot, fierté du bourreau. Alors, je sais pas pourquoi Urgot est en train de ressortir. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Ryo pour que Urgot ressorte ? Je n'en ai aucune idée. Donc apparemment, Urgot se joue top, hein, et voilà, je sais pas trop quoi dire, Urgot, en fait, faut toucher avec sa bombe, et après cibler la personne avec la souris, et lancer son A pour que ça fasse un tir téléguidé, pour qu'il prenne un taquet de dégâts. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Urgot. Victor, héros des machines. Victor est un très bon mid. Moi, je dis très bon, parce que personne ne le pense, mais moi, je trouve ça cool. Le fait déjà de pouvoir augmenter son personnage comme ça via un espèce de petit engin, je trouve ça énorme. Et le mieux, c'est que tu peux maintenant augmenter tous tes sorts. Avant, ce n'était pas le cas, il fallait choisir, donc c'est plutôt cool. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, jouez bien, respectez les gens, bordel de merde. Je vous vois faire, c'est insupportable. Bref, allez, je vous fais des bisous, à très vite, ciao ciao.